Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle série sur ma chaîne. Donc, mon idée vient pas de moi, c'est Nymph, qui sera donc la série des Queen of the World. Donc, comme je vous l'ai dit, l'idée ne vient pas de moi, c'est Nymph qui est la main de la reine. Voilà, conseillère royale qui a eu l'idée et j'ai trouvé son idée tellement géniale que j'étais emballée de commencer. Donc Nymph, merci pour ton idée, c'est vraiment génial. Donc ça sera une fois par mois, le deuxième mercredi du mois. Voilà, comme ça les mercredis, ça tourne tout le temps sur les mêmes vidéos. Hein. Le Disney Challenge, alors le premier et le troisième mercredi du mois, vous aurez donc une abonnée choisie mon make-up. Le deuxième, le Queen of the World. Et le dernier, c'est le Disney Challenge ou Challenge entre copines. Ça dépend un peu du thème qu'on a décidé. Et voilà. Donc, elle m'a déjà donné la liste pour un an. Donc, je vous la note en barre d'infos. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour vous de suivre. Et à chaque fois, à chaque vidéo, je rajouterai toutes les... Non, je mettrai la playlist. Je ferai une playlist, ça sera beaucoup plus simple. Donc, le premier, c'est le thème du Brésil. Donc, voilà, je dois faire un make-up en imaginant que je suis la reine du Brésil. Après, elle me donne deux petits indices à chaque fois. Enfin, deux ou trois, ça dépend. Là, c'était Carnaval de Rio, évidemment, et drapeau. Mais après, je suis libre de choisir qu'est-ce que j'ai moi j'ai envie. Hein. Je vais essayer aussi de ne pas trop acheter d'accessoires et tout ça. Il y en a peut-être que je le ferai, mais je vais essayer de ne pas dépenser des sous inutilement pour des accessoires que j'utiliserai qu'une fois. J'aime recycler, donc enfin recycler entre guillemets. J'aime avoir des produits multifonctions et pas juste utilité unique. Et ben écoutez, on va commencer tout de suite pour la Queen du Brésil. J'ai fait mon teint comme d'habitude. Tous les produits sont listés en barre d'infos comme d'habitude. Et je me rapproche et on attaque. Donc là, je suis clairement en brassière parce que ben, il fait bon. Enfin bon, c'est pas dégueu, on va dire. Et comme ça, j'ai plus facile à enfiler après les accessoires et tout ça. Bref, on s'en fout un peu. Voilà, j'aurais eu des plumes, j'aurais intégré des plumes. Mais après, le thème, c'est pas le Carnaval de Rio, c'est la Reine du Brésil. Donc, on va partir là-dessus. Pour ça, je vais utiliser, donc j'ai poudré mon arcade sourcilière, j'ai mis de l'anti-cerne et je l'ai poudré puisque je vais utiliser uniquement des liner cakes. Et voilà, donc c'est celle d'AliExpress, hein, je vous mets le lien qui est affilié en barre d'infos. Je ne sais pas si je vais utiliser les deux, mais on va partir sur le néon pour commencer. Et la base du make-up sera principalement rose, mais multicolore. Je ne sais pas si c'est très clair, mais vous allez voir. Donc, je vais commencer tout simplement avec... Je vais prendre le violet pour commencer. Donc, en fait, je vais faire pareil avec toutes les teintes que je vais utiliser. Et, enfin, voilà. Vous allez comprendre. Tout ce que je vais faire, tout simplement, c'est faire des traits un peu aléatoires. Donc, au début, vu que j'ai la paupière qui plisse, ça va faire un peu bizarre. Je crois que... Ah, merde. Je rectifierai ça après. Donc là, je vais quand même essayer que ça fasse pas trop des schrabebeux. Voilà, donc je continue mes petits traits. Ici, je vais les faire descendre. Je vais peut-être en faire remonter aussi un peu. Bon, je crois que Lilou essaye de monter sur mon lit et qu'elle n'y arrive pas. Donc, je vais aller l'aider. Et je fais pareil en coin interne, plus court quoi, mais j'en mets aussi. Voilà, donc je vais faire pareil de l'autre côté, nettoyer ici ma petite bavure, je vais voir si Lilou veut grimper sur le lit d'abord. Ensuite, je fais pareil avec le blue, parce que j'ai envie de faire pareil avec le blue. Mais... Voilà, ça va être que ça en fait, faire des traits à droite à gauche, qui partent un peu dans tous les sens. Donc, j'ai pas grand chose à vous expliquer, donc c'est un peu chiant. C'est chiant parce que je sais pas quoi vous dire pendant que je fais ça. J'ai rien à vous dire en fait. Il suffit de regarder ce que je fais. Alors, comme je l'ai dit en vlog, il me semble que c'est en vlog que je vous l'ai dit. Il y en a qui m'inspirent bien. Ceci m'a inspiré direct. Et il y en a qui m'inspirent un peu moins, mais c'est ça le but du challenge. Et j'adore parce qu'il y en a que je vais devoir faire un peu. Des recherches, trouver des idées à droite à gauche et tout ça, et ça j'adore.
Donc c'est pas obligé que ce soit symétrique, hein, les deux côtés. Hein. J'essaie juste de regarder un peu près où j'en ai mis pour que ce soit équitable des deux côtés, mais pas forcément symétrique. Ah, il pète celui-là. Wow! Je l'avais jamais utilisé. Qu'un. Magnifique. Là, je l'ai fait aller un peu dans l'autre sens. Canon. Ouh. Ça commence à prendre forme. Je sens que je vais être encore bien fière de moi à la fin. C'est beau, j'adore. C'est très, 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 très beau. Après, je pense que je referai une face make-up, mais juste avec une ou deux couleurs, par exemple. Pour tous les jours, vous savez. J'adore. Ouh. J'aime beaucoup. Nymphe, normalement la vidéo est en première, donc Nymphe, normalement j'ai tes réactions à chaud juste à côté, donc j'ai hâte de lire ce que tu vas en penser. Parce que j'ai dit pas de spoil et que je cacherai la miniature, comme ça, pour ceux qui la regardent en première, il n'y a pas de spoil du tout jusqu'à la fin. Alors, je passe maintenant enfin au rose. Quand je vous dis que j'adore ce liner. Je suis fan de ces liners. Je crois que vous l'avez compris. Hein. Je les aime d'amour. Franchement, rapport qualité-prix. Alors, Nymphe, je sais pas du tout si c'est ça que tu avais en tête. Mais moi, dès que tu m'as donné l'exemple, puisque à la base, c'était l'exemple, le Brésil. Et dès qu'elle a donné l'exemple, j'ai eu ça dans la tête. Oh, faut que je le fasse. Donc le rouge, j'assiste un peu plus, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est la couleur de mes accessoires. J'aime bien. Alors, je vais quand même mettre un petit peu de jaune. Donc là, je vais prendre encore un autre pinceau, parce que je vais mettre un peu de jaune et un peu de blanc. Donc, il me faut un autre pinceau. Clairement, je vais peut-être prendre un tout fin, tout fin, tout le long. Donc, je vais commencer par le jaune. Avec les plus longs pinceaux, comme ça, c'est plus facile... pour aller un peu plus vite, j'ai envie de dire. Après, je crois que vous connaissez maintenant mon obsession pour les liner cakes. Franchement, je pourrais utiliser limite que ça. Donc, j'espère que c'est pas trop chiant à regarder. Parce que c'est très redondant ce que je fais. Je fais à chaque fois la même chose. Juste avec plein de couleurs, quoi. Après, j'aurais très bien pu aussi réutiliser la technique du mouchoir hein, pour ce genre de make-up. Mais il faut se calmer avec le mouchoir aussi. Alors, je vais quand même mettre un peu de blanc pour faire un petit peu de profondeur. Donc, je garde le même pinceau et exactement la même chose. Je vais en mettre moins encore. Je pense que là, on est bon quand même. Hein. Donc, pas trop, trop, trop abusé. Voilà pour ça. Bah, écoutez, je crois qu'on est pas mal. Alors, je vais mettre mon crayon noir en mucus supérieur et inférieur. Alors, attendez, je prends tout mon bord. Je mettrai celui-ci, c'est un Tania Beurre que j'ai eu dans le swap avec Manon, mais je ne sais plus lire la teinte. C'est un champagne un peu gold, lumineux. Je mettrai en mucus inférieur bah, quand ça aura bien transféré. Est-ce que je fais un trait de liner noir ou pas? Non. Je vais le laisser comme ça. Donc, je vais juste mettre une couche de mascara et... coller des fossiles, bah, ça je ferai après. Les fossiles, je vais mettre ceux-là si j'arrive à les coller avec mon recourbement. Hein, mais voilà. Et je vais en attendant passer aux lèvres, mais je crois qu'on va rester sur du nude quand même. Hein. Faut peut-être pas pousser non plus. Ouais, on va rester sur du nude. Je vais mettre le Charlotte Tilbury et le mini gloss champagne, comme ça pour aller avec la mucus interne. Sur mes lèvres. Bah écoutez, je fais tout ça, je mets mes accessoires et je viens vous montrer ce que ça donne. We'll be right back.
Et donc voilà mon look de Queen of the Brazil. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça fait bien Queen of the Brazil ou pas? Alors l'accessoire, c'est pas du tout ce que je voulais mettre. Donc du coup, j'ai rajouté des petites paillettes dorées avec le focalure. Donc tout ça, je vous les mets en barre d'infos. Ça, c'est un collier de base. En fait, au départ, je voulais mettre celui-ci. Non, attendez, parce que j'en ai encore essayé un autre, mais ça n'allait pas. Mais du coup, comme j'ai été dans les teintes néon, et le truc est complètement pastel, donc ça n'allait pas du tout avec. Mais ça aurait été très brésilienne. Donc du coup, j'ai mis celui-ci. Voilà, j'ai fouillé un peu dans mes ventes, Vinted. Du coup, je vais enlever tous ces accessoires-là pour les garder, pour ce genre de vie. Voilà. Bref. Et j'ai juste rajouté quelques paillettes dorées focalure pour faire un rappel avec la déco de tête. Ma postiche, c'est AliExpress. Mes extensions, AliExpress. Je vous mets le haul en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vu. Et les liens. Nymph, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte d'avoir ton retour. Je te remercie encore pour cette idée de série de vidéos qui m'a empalé direct. Je sais qu'elle a été vérifiée. Ça n'a été fait nulle part dans n'importe quelle langue. Ça n'a pas été fait encore. Donc, on innove, voilà, la main de la reine aide à la reine à avoir un cerveau encore un peu plus développé que d'habitude, parce que je pense pas non plus être trop nulle pour ce qui est d'innovation de vidéo. Donc voilà, cette série m'a totalement emballée, autant que les Disney Challenge quand on a eu l'idée. Là, c'est vraiment totalement dans le thème, quoi. Je veux dire, le truc de la Queen, là, le délire de la Queen qui a pris une ampleur incroyable sur cette chaîne, avec vous, voilà, c'est une communauté, je suis une queen, tout simplement, voilà, il n'y a pas à chier, c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, comme je disais avec les filles, je suis un peu la queen du pays des toqués, mais je suis une queen quand même, attention. Ben voilà, Nymph, j'ai vraiment, 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 vraiment hâte d'avoir ton retour, donc bien sûr, je vous mettrai son commentaire en épingle dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça fait vraiment Queen of the Brazil, hein, voilà. Après, je suis pas sûre que je serai toujours dans le thème, mais j'essaye, voilà. Mais celui-ci m'avait vraiment emporté, l'idée m'avait vraiment ébloui. Voilà, voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, si ce make-up vous plaît, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. On se retrouve le mois prochain avec le thème de l'Égypte, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est bien ça, avec la queen de l'Égypte, enfin la reine de l'Égypte. Voilà. Et c'est tout. Donc, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous bisous.